Nous parler dans Sud Capital là, zone ça qui continue faire actualité à une semaine pas passée sans que nous pas gagné une information qui vient joindre nous qui sorti dans zone ça et qui montrer situation violence qui gagné là, li loin pour le résoudre encore. Hier en pile cartouche tiré dans quartier Garavine ak, dans zone village de Dieu. Oui, en pile cartouche tiré hier et nous apprendre que c'est la funéraille, en tout cas situation ça l'était arrivé dans moment funéraille yon présumé bandit catégorie avenue qui relait les oreilles qui était mouri une semaine passée en échange coup de zama à la police dans Delma 41. C'est ça directeur départemental police ouest là Berson Soljo en fait qu'on est lui mandé collaboration population en façon pour faire la paix tourner dans quartier ça yo Berson Soljo dans micro enfin à des sources dans Grand Ravine il y a des tirs sporadiques qui t'a fait dans zone. Non, nous venons apprendre que c'était un funérailles qui était gagné. C'était les oreilles qui fait partie de zone ça, qui était lui-même dans un échange à la police. T'es tombé sous Delma 41, donc c'était funérailles je dis. Il y a eu des tirs et rapidement la police était mobilisée ensemble d'unités pour nous renforcer la sécurité dans zone ça. Non, Matissant pas vraiment gagné problème. Tout le monde va librement à occupation. Donc la police nationale lui comptait sous population hein, puisque ou qu'on est la police à pas partout, donc nous comptons cette population qui c'est chez nous, mais ensemble avec population, communauté, on a avancé pour que nous qu'aimer climat de sécurité qui gagne. Voilà, directeur départemental de l'Ouest Police, commissaire Berson Soljo, concernant la situation qui a été gagnée hier dans le quartier Grand Ravine avec Village de Dieu, situation qui arrivait dans le moment funérailles, ayant présumé bandit, qu'on est sous nos oreilles, qui était tombé dans l'échange coup de Zamak, la police dans Delma 41, semaine qui saute passée. Hein. Oui, Koulia, nous pourrions parler de Vladimir Legagneur avec réseau, avec regroupement journaliste reporter local qui continue à exiger nommer autorité avec la police. Résultat, enquête sous disparition journaliste. Mais bien avant, gagné le nouveliste, donc dans l'occasion 120 ans quotidien ça, gagné une exposition qui a organisé jeudi 3 mai 2018, là, qui donc demain dans local journal, là, dans mémoire Vladimir Legagneur. Donc photo journaliste là qui lui-même était allé dans reportage d'après sa information rapportée dans Grand Ravine, il y a un quartier chaud dans la capitale depuis 14 mars 2018 mais qui pas jamais rentré la Kaili, donc ça a gagné plus passé il y a un mois, donc la police avec la justice beaucoup il y a même dit officiellement qui ça qui passait qui ça qui arrivait avec Vladimir Legagneur, donc le nouveliste dans l'occasion 120 ans l'année il a organisé donc une exposition demain dans local journal et gagné association journaliste haïtien AJH tout qui invité et journalistes travailleurs à la presse yo examen pour venir participer mercredi 2 mai a, donc jeudi dans une soirée solidarité activité ça a fait dans numéro 20 avenue la Martinière Bois Vernant en face collège le normalien à 6h de 6h pm jusqu'à 9h, donc soirée ça il y a organisé la veille, célébration journée mondiale liberté la presse 3 mai pour exiger autorité policière yo éclairci dossier disparition depuis 14 mars journaliste photographe Vladimir Legagneur, donc une note qui portait signature Jacques Desrosiers. En tout temps gagné un guerrier regroupement journaliste reporter local yo RJRL qui continue bon côté payo à exiger non mais autorité la justice avec la police yo résultat enquête ça sous disparition journaliste photographe là Vladimir Legagneur, dirigeant regroupement journaliste reporter local yo mettait en question volonté autorité la justice pour faciliter aboutissement enquête si là et l'autre côté organisation journaliste là dénoncé tous avec agression plusieurs journalistes radio Mélodie FM victime en dans espace radio ça dans rue Capoua coordonnateur adjoint regroupement journaliste reporter Jacques Innocent coordonnateur général la Fegens Canes Paul, t'es dans le micro, Gerline Maurice.
François Lebou, porte-parole la police là, semaine dernière dans une conférence, il était dit DCPJ t'a pral vini avec résultat enquête qui ouvert sous dossier ça. Enquête là jusqu'à présent il encore coincé dans une dynamique de tâtonnement. Chaque monde en fonction des éléments d'information yo gen nan men yo a parlé sous bon pa yo dans façon pa yo. Président les sorti dans 8e sommet des Amériques qui était fait dans pays Pérou, il était dit journaliste là mouri et il passé l'ordre à la DCPJ et aux autorités judiciaire pour le travail 24 sur 24 pour que lumière faite sous disparition journaliste là et pour retracer et interpeller tout le monde de près ou de loin qui t'a impliqué dans un sac comme ça. Depuis les abagans exit, regroupement journaliste porteur locaux a demandé est-ce que gain yon volonté pour yon enterrer dossier ça, même gens, yon enterrer un paquet de dossiers qui gain pour eux avec assassinat et disparition journaliste. Nous dit, si t'as gain une intention comme ça, qui veut prendre bon côté autorité dans l'État, nous venons dire au PIGA, nous dit, fait très attention parce que c'est un dossier nous prend à cœur, nous prend très au sérieux. Nous dit si l'État va prendre toute disposition pour nous connaître qui s'est arrivé Vladimir le dernier le 14 mars dernier dans Grand Ravine, nous-mêmes nous prenons le porter plainte, nous prenons avec dossier à non plus au niveau. D'ici fin semaine ça pas aucune disposition qui prend pour DCPJ dit mais ça les joigne comme conclusion dans l'enquête que tu as menée nous-mêmes n'a pral nous pour parler déjà avec avocat, nous pour parler avec un bon acteur de la société civile là, acteur droits humains et autres, nous pral faire on seul pour nous porter plainte par devant instance dans la Cour interaméricaine de justice pour nous porter plainte devant le tribunal compétent dans le pays nous tous pour l'État haïtien par devant une série d'instances locales et internationales. Nous avons dénoncé tout incident qui passait dans Radio Mélodie mercredi après-midi qui se passait. Côté deux bandits, nous quatre étaient aux bandits, les deux nègres sans, ils n'ont pas imaginé avant d'entrer dans la station radio. Même si on a un problème à n'importe qui, depuis qu'on est entré dans la station radio, on ne doit pas entrer. Deux bandits sont entrés dans la radio, ils ont un azam, on s'est entendu oui, avec un autre monde, par contre, non. Ils ont battu et agressé deux journalistes, c'est Arbenz Francis, qui c'est un journaliste qui a animé, une émission qui est les liaisons sous Mélodie FM, et puis Dallès Buto, qui c'est journaliste reporter qui est accrédité dans le Parlement. Nous trouvons intimidation comment c'est arrivé trop loin. Pour bandit a même entré dans la radio pour aller agresser journaliste. Pas bien espace média, c'est un espace qui est inviolable. Non seulement yo bat journaliste, yo crasé appareil dans salle nouvelle. Comme journaliste yo même yo gen plainte yo déposé dans paquet Port-au-Prince. Nous souhaitons que autorité yo prenne responsabilité yo devant question ça. Voilà, on t'a pas écouté yon après l'autre coordonnateur adjoint Jacques Innocent, coordonnateur général Fegens Canes Paul concernant disparition Vladimir Legagneur depuis 14 mars passé. Gagné un sénateur Ricard Pierre qui même condamné incident qui passait dans la commune Tchot vendredi passé. Autorité locale a déjà récupéré environ 14 dans armes policiers ont été recrutés pendant opération ratée. Ça, nous parlait déjà de information. Ça, à côté gagnant, Lino Cazo, qui lui-même, c'est non responsable coordination précif dans le bureau secrétaire d'État sécurité publique, là, qui joigne à arrestation, lui, c'était vendredi, dans le cas d'enquête sous incident, ça, dans la commune Tchot. Lino Cazo, toujours, fermé dans garde à vue, d'après dernière information, nous, au Téguéen, est accusé comme monde qui t'a prend l'argent, non, mais Jacques Balek pour te planifier opération ça sans autorité ou pas au courant nous pourquoi gagner réaction citoyen il nos caso pour ta connait faire son pal sous situation si là ou bien sous incident à ça. Et Gagnetto, secrétaire d'État sécurité publique là, qui lui-même écrit inspection générale pour au modèle convoquer inspecteur Daniel Désir, responsable opération toujours au Nabrissif. Et quant à Jacques Black, qui lui-même c'est un citoyen qui vive Jacques Mel, qui fait connaître l'état propriétaire, plus passer 300 carotènes hein, à Marmirande, eh bien là bien pour répondre question commissaire gouvernement Jacques Mel, là, pas trop longtemps, toujours d'après ayon l'autre correspondance que le secrétaire d'État sécurité publique l'a adressé à un commissaire gouvernement Jacques Mel. Donc, autorité dans la zone Marmirade qui ont même continué à récupérer des armes que les policiers ont été obligés de coéquiper sous pression, population qui tape avancé sous eux à manchette Wash. Eh bien, sénateur Ricard Pierre dit lui inquiet pour sécurité population à cause de pas connaît qui quantité des armes qui étaient dans mes forces l'audio et qui étaient sous au terrain. Donc,
jusqu'à présent, il parlait de 14 que t'as récupéré. On écoutait sénateur Ricard Pierre qui exigeait lumière faite sur incident. Ça, le micro au Miguel Chaladri. Population nan section communale Marmirande, yo constaté présence de machines la police avec des civils nan mitan yo. Lè yo rive nan zone ki rele nan platon, population mande yo ki sa yo vin chèche nan zone lan parce que te gen yon bruit ki te di yon certain Jacques Black ki en 2012 te déjà intervenu nan zone nan parce que te di tout te nan zone sa c'est pour li et te gen bruit ki te di Jacques Black sa ap tourné avec policier pou vin faire de force yon avantage. Les populations ont posé question, réaction immédiate. Policiers qui étaient accompagnés, moun ki en civil, c'était tiré à hauteur d'homme sur population ça. Et comme ça nous pral gagner un jeune Frico Jean dans localité dans Platon qui prend balle qui couché kounia là dans l'hôpital. Jacques Black était intervenu déjà en 2012 et même scène ça a été passé. Il était venu de force pour attenter 317 carreaux de terre Jacques Black disait pour lui. 317 carreaux de terre qui chita sous trois communes. Sur Gosier en Sapi, qui gagne environ 4000 mounes qui vivent sous lit depuis plus passé 100 ans. Donc, yon seul moun présenté pour le vin mettre dehors toute yon communauté. Nous déplorons irresponsabilité, décision qui prend pour voyer policiers sa yo accompagner Jacques pour agresser la population. Nous entendons secrétaire d'État, Rossard Saint-Cyr, qui dit que Jacques Black n'amène yon décision de justice et que son corps qu'il a pour exécuter toute décision de justice qui concerne les affaires terres, qui est à l'intervue dans la zone. M'a souligné pour la presse. La justice a toujours pas informé de l'intervention ça qui t'a vu une fête là. La direction départementale de police dans le sud-est pas gain information ça non plus. Le parquet de Jacques Mel pas non plus informé. La direction générale de la police pas informé parce que les moins tendés situation ça a passé. Avant même moi intervenu sur Radio Haïzan, c'est Radio Panou dans sud, relé divers responsables ça yo pour nous connaître est-ce que bon décision qui a l'exécuter en haut. Yo pas informé du tout. Donc décision pour policier ça va là roi son décision qui semblait sortir bon côté secrétaire d'état Ronsard Saint-Cyr population en bas leadership des citoyens et notables dans zone là yo déjà récupéré 14 dans zam qui étaient nommés policiers gagné 6 9 mm 5 galil 3 12 que population a récupéré déjà et zam ça yo juge de paix casette dans section communale Marmirande yo accompagné avec la mairie pour aller remettre toutes zam ça yo dans la police nous pas connait combien zam qui t'est monté dans l'opération ça. Nous inquiets pour sécurité population. Parce que nous pas compte combien zam et non mais qui moun zam t'al tombé. Parce que nous pas vle aucun côté dans sud-est là et aucun côté dans pays là. Tourner zone de nos doigts. Certainement ça passe à pas arrêter là. Parce que faut que lumière faite, faut que responsabilité fixée, faut que des décisions qui prend pour éviter qu'à l'avenir zone n'en pas connaît mode situation comme ça pour éviter qu'à l'avenir population paisible dans zone ça pas troublée dans la ville. Et selon information, yo, au commandement police, ça pas tout courant, opération, ça, non, tiote.